just going home. I'm a late, late show. Don't want to meet me at home. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait encore pas mal de temps que j'ai pas filmé de vidéo. Vraiment encore une fois c'est pas du tout pour me justifier mais juste... Et j'avais plus forcément d'inspiration et je me suis dit bah... Je sais pas, te brief pas et tout. Mais je voulais quand même revenir avec une vidéo qui était assez importante pour moi, concernant les écoles de commerce. C'est souvent des vidéos qui vous intéressent pas mal. Et je me suis dit que mon avis avait forcément pas mal évolué par rapport à l'année dernière. Mais aussi que c'était la bonne période parce que je pense que beaucoup sont en train de préparer soit des concours pour entrer dans des écoles de commerce. Ou soit commencent ou finissent de réfléchir à leur potentiel... orientation scolaire l'année prochaine, et même si j'avais déjà fait une vidéo cet été, je pense que j'en referai une au moment de Parcoursup ou au moment de l'été à la fin de l'année, mais ce sera déjà trop tard parce que la plupart des gens auront déjà fait leurs vœux, donc je me suis dit que j'allais en faire une maintenant, un peu en intermédiaire. L'année dernière j'avais fait une vidéo à peu près à ce moment là où je vous parlais de mes notes au midterm. Je vous la mettrai en barre d'infos, je vous mettrai en barre d'infos toutes les autres vidéos que j'ai faites sur les écoles de commerce. Comme ça vous verrez mon avis en tant que première année mais maintenant en tant que deuxième année. Je pense pas faire de vidéos sur mes notes parce que tout simplement c'était intéressant on va dire en première année mais en deuxième année je pense pas que ce soit vraiment hyper intéressant. Mais pour l'instant je suis hyper contente de mes notes, je suis assez étonnée dans le bon sens et je suis trop contente. Donc bientôt je choisirai où je pars en échange, j'espère que j'aurai ce que je voudrais. Bref, on va commencer. Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à Insta, c'est vrai que ça stagne un peu en ce moment, je comprends parce que je suis un peu moins active. Mais ça peut que me donner de la force et du positif et vraiment n'hésitez pas à le faire et merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Donc je vais vous parler de pas mal de points et notamment des écoles de commerce avec le Covid. Parce que je pense que les écoles de commerce, il y a déjà pas mal de vidéos dessus sur YouTube, notamment les miennes. Mais avec le Covid ça change beaucoup et ça change pas mal la donne et la situation. Et je voulais vraiment partager avec vous ce que j'en pense. Et si je pense que oui ou non vous devriez aller en école de commerce, même si encore une fois c'est un avis personnel. Je vais vous parler forcément de mon expérience personnelle mais je pense que c'est à peu près pareil pour la plupart des écoles de commerce. Et qu'il y a certains points, même si vous n'êtes pas en école de commerce, que vous allez reconnaître par rapport aux études sup. Donc tout d'abord ça va être au niveau des cours, je pense qu'il faut commencer par là. Est-ce que les cours sont en digital, est-ce que les cours sont en vrai? Faut savoir que nos cours étaient donc durant tout le confinement l'année dernière et la seconde partie de ma première année en cours en distance, en zoom. Très clairement je trouve que c'était à peu près gérable. Personnellement, d'un point de vue personnel, je préfère les cours en zoom parce que j'arrive à pas forcément plus me concentrer mais à plus optimiser mon temps et donc voilà, j'avais eu des meilleures notes et j'avais plus apprécié. Concernant mon année, en fait mon année a commencé avec des cours hybride, donc c'est à dire une semaine en distanciel, une semaine en vrai. J'ai aimé beaucoup ce format parce que tu voyais quand même ta classe, t'arrivais quand même à avoir des contacts sociaux, mais tout en étant parfois en distanciel, et donc je trouve que c'était la semaine plus chill où tu te reposais. Faut savoir qu'il y a eu pas mal de cas de Covid, donc notamment c'était un peu compliqué si vous étiez chez vos parents, enfin dans ces cas-là tu faisais souvent beaucoup plus gaffe. Donc voilà, mais la plupart du temps on était toujours masqués dans les salles de classe et ça j'ai rien d'autre à dire, enfin j'ai rien à redire sur ça et sur les mesures sanitaires. Pour les cours en distanciel, comment ça se passe? Très souvent c'est en Zoom, il y a une plateforme propre à l'école qui permet aux profs de... uploader des documents et tout, et après souvent tu uploades tes DS, tes contrôles. En fait la plupart du temps notre emploi du temps restait exactement le même, juste les cours ils étaient à distance. Il n'y avait pas forcément d'énormes adaptations, je sais pas comment ça se passait à la fac, mais en tout cas nous à partir du jour où le confinement a été annoncé, il y a eu direct les cours qui étaient en zoom pour la plupart du temps. Donc je dirais que les cours, même si forcément pour beaucoup de gens c'est beaucoup moins bien qu'en vrai et que tu peux te dire je paye pour une école et les cours finalement ils sont à distance, je trouve pas que c'est un problème, je pense pas que ce soit un point qui puisse vous faire hésiter d'aller en école de commerce par rapport au confinement, par rapport au Covid, même si encore une fois j'espère qu'on retrouvera vite les cours, mais à mon avis la situation durera quand même un certain temps. Ok, peut-être que l'année prochaine on sera plus en confinement, mais à mon avis le Covid va laisser des traces sur le long terme et sur les futures années, et il y a possibilité que ces événements aient un impact sur votre scolarité malgré tout. Donc voilà, d'un point de vue personnel c'est pas un truc qui m'a énormément gênée, j'ai pas eu l'impression que les cours étaient si moins bien que ça du fait qu'ils étaient à distance. Après forcément c'est pas la même chose, mais je trouve que ça va et je pense que
Mon école en tout cas a plus ou moins bien géré, même plutôt bien géré par rapport à d'autres établissements scolaires, et je vise personne et j'attaque personne parce que je peux totalement comprendre que c'est difficile, mais par rapport à par exemple certains lycées pendant le premier confinement, ou certaines autres écoles, ou je ne sais quoi, ou certaines universités, bah j'ai continué à avoir une scolarité normale. Ok, on va passer à un point un peu plus touchy qui est l'associatif, parce que je pense que ça change énormément. Pourquoi souvent tu vas en école de commerce? C'est en partie pour l'associatif, donc c'est pour les cours, c'est pour plein de trucs, mais c'est pour l'associatif, les contacts, et c'est une partie qu'il faut clairement pas négliger, sans forcément être dans 15 000 assos et devenir un cliché de la personne qui sort tous les jours aux events, mais juste ça joue quand même, que ce soit une asso humanitaire, que ce soit une asso, enfin n'importe quoi, une asso sur ta passion, le BDE, le BDA, enfin bref, tout ça ça joue, et c'est vrai que les assos ont été pas mal impactés par le Covid. J'ai pu le constater, la plupart des events ont été annulés, la plupart des trucs étaient plus compliqués, donc forcément ça je pense que c'est un point, et je pense que si vous êtes en première année dans une école de commerce, vous l'avez ressenti, qui est très dommage et qui enlève un énorme point positif des écoles de commerce malgré tout, parce que sans asso, tu te sens un peu comme si t'étais à la fac, je veux dire quand t'es en distance, et je pense qu'il y a beaucoup de premières années qui ont eu du mal à s'intégrer par rapport à ça, et donc ça c'est clairement un point négatif que je ne peux pas nier et que je peux pas... Enfin, je peux pas vous dire, vous inquiétez pas, ce sera exactement pareil si vous venez en école de commerce, parce que c'est pas le cas. Après, encore une fois, croisons les doigts par rapport au vaccin, et c'est pour ça que je fais cette vidéo quand même avec de l'espoir, mais malgré tout, c'est un truc à prendre en compte. Après, je pense que ça implique toutes les vies étudiantes en règle générale, mais c'est pour ça que là, le parallèle que je ferais, c'est avec une prépa ou un DUT. Par exemple, les gens qui sont rentrés cette année en école de commerce, peut-être que pour eux, ça aurait été plus... genre pertinent d'aller en prépa ou d'aller en DUT parce qu'ils payaient pas pendant un ou deux ans des écoles sans forcément avoir les points positifs de ces dernières. Donc ça va un peu avec, mais au niveau de la vie sociale, c'est vrai que forcément c'est plus compliqué, hein, je vais pas vous mentir, c'est forcément plus compliqué. Moi ça a été parce que j'ai réussi à me faire des potes, on va dire, à partir de l'été, donc voilà, mais... si je peux vous donner un conseil, si vous comptez aller en école de commerce, essayez quand même de pouvoir rencontrer du monde, que ce soit rien que de parler avec des gens, pas forcément faire des grosses soirées, parce que voilà, pour Covid, c'est pas forcément ouf, ou même, voilà, si vous êtes pas trop pour, mais juste d'essayer quand même de rejoindre des assos, ou de parler avec des gens, de prendre des cafés avec des gens, d'autres comme ça, pour essayer de sociabiliser un minimum, et d'être plus à l'aise dans votre environnement. On va parler d'un autre point qui est assez important et qui pose pas mal de questions au niveau de, bah, des études, c'est les examens. Nous, nos examens se font à distance avec un logiciel qui s'appelle Wiseflow, donc qui en gros te surveille, mais pas en mode 360 degrés non plus comme je crois ils avaient à HEC. Ça c'est très très propre aux écoles, je sais que dans beaucoup d'universités ils te laissaient en gros carte blanche toute ta journée et tu devais envoyer ton devoir. Je vais pas vous mentir, j'ai forcément pas un avis toujours hyper objectif sur la question parce que je suis une étudiante, donc j'ai que ma vision d'étudiante, j'ai pas la vision de mon école, machin et tout. Je pense que ce système d'examen à distance a beaucoup de défauts. Après, c'est pour s'adapter à la situation. J'espère que les prochaines années, les examens seront quand même en vrai pour les futurs étudiants. Mais voilà, sachez que si vous posiez la question, il y a quand même des examens. Les examens n'ont pas été forcément modifiés. Parfois, ils étaient plus durs parce que, bah parce qu'ils considéraient que tu avais peut-être plus moyen de trouver des moyens de tricher en étant chez toi. Mais donc voilà, en règle générale, ton année universitaire en termes de cours va pas beaucoup changer et en termes de planning va pas énormément changer. Que tu ailles en école de commerce dans une situation normale ou que tu ailles quand il y a le problème du Covid ou les cours à distance. Après, je vais parler d'un point qui est le point de vue professionnel, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de chaque année, tu fais des stages et à la fin de tes 5 ans d'études ou de 3 ans, tu espères quand même trouver un emploi. Et c'est vrai que là, on peut se dire, ouais, mais même en sortant d'une bonne école de commerce, t'es pas sûr de trouver un truc parce que le marché du travail va être saturé. Et ça, je pense que c'est un critère qui va marcher pour toutes les écoles et toutes les études. Je pense que ça va être très compliqué pour notre génération de trouver du taf. Je sais que moi, cet été, je devais être serveuse et heureusement, j'avais trouvé mon taf avant. Mais beaucoup de gens ont galéré bien plus que les autres années à trouver. Je sais même pas comment je vais trouver. Je suis censée être vendeuse dans un magasin cet été et je sais pas si je vais pouvoir trouver encore une fois, mais ça je pense c'est un critère qui dépend que de vous. Si vous avez peut-être envie, si vous hésitez entre différentes voies et que vous voulez vraiment une voie qui est sûre à 100% et être sûr à 100% de trouver un emploi avec un salaire fixe
à la fin de vos études, je pense qu'il faut peut-être plus se diriger vers des études plus classiques, et peut-être que ça va saouler des gens que je dise ça, enfin pas classique, mais on va dire des études où genre le salaire est plus fixe, comme par exemple médecin ou des choses comme ça, enfin des métiers ou des fonctionnaires. Et peut-être encore une fois que ça va saouler des gens, et tu peux très bien être fonctionnaire en sortant d'une école de commerce, mais faut être assez réaliste, et voilà, si vous êtes quelqu'un de très 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 stressé par votre avenir par rapport à ça, bah c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé mon avis. Je sais qu'il est peut-être parfois un peu confus, mais c'est un peu compliqué de m'exprimer par rapport à ça, mais je voulais vraiment vous faire un petit retour sur votre vie en école de commerce, si vous l'apprenez maintenant ou quoi. Si vous êtes en première année, je comprends que ça doit être super compliqué, même dans les années futures ou quoi, que ce soit en école de commerce ou étudiant en règle générale. J'espère que vous allez tous bien, je vois qu'il y a pas mal en ce moment de gens qui se sentent très 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 seuls. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, je veux dire, c'est pas forcément facile d'être en études sup de base. Alors en plus, être en études sup en école de commerce ou à la fac ou un truc comme ça, et qu'on est, enfin quand on est confiné, c'est encore plus compliqué, surtout que souvent tu te dis ouais, mes études sup, je vais vivre ma meilleure vie. Finalement, c'est pas forcément le cas, mais espérons que cette situation passera, espérons qu'on en ressortira plus fort, j'espère vraiment. By the way, j'ai oublié, mais ça fait super longtemps qu'une asso m'avait contactée, une asso qui permet d'envoyer des lettres aux personnes âgées. Je vous mettrai son nom ici et les étapes en barre d'infos pour le faire. Si vous voulez soutenir, discuter avec des personnes âgées ou quoi, ça peut être super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle autre vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, à vous abonner et à liker cette vidéo.